Maintenant, je le sais. Je suis un garçon. Et comment tu sais ça, toi? C'est le docteur qui me l'a dit. D'abord, il m'a bien regardé dans les yeux. Mais moi, j'avais encore les yeux fermés. Puis ensuite, il a doucement soulevé mes paupières et il m'a dit « Tu es un garçon !» Moi, j'étais vachement content, vu que dedans, j'entendais toujours ma mère dire qu'elle voulait un garçon. Enfin, c'est toujours mieux de commencer en faisant plaisir à sa mère. C'est toujours ça de prix. Gros bêta, c'est pas la couleur des yeux qu'on voit si t'es un garçon ou une fille. La couleur des yeux, ça change toujours. Ils sont bleus quand on regarde la mer, rouge quand on est en colère, noir quand on est triste ou qu'on pleure. Je sais pas trop à quoi on voit si t'es un garçon ou une fille, mais c'est sûr. C'est pas aux yeux. Alors, c'est le docteur qui le décide, en son âme et conscience, en tenant compte de la population du pays. S'il y a besoin de faire des filles, il fait des filles. Ou sinon, c'est plutôt des garçons. Ou alors, c'est 50-50. Ou alors, au pif. Ou alors... On s'en fout après tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est des bébés. Garçons ou filles. La différence. Alors pourquoi ma mère, elle voulait une fille et pas un garçon? Si elle, elle fait la différence, c'est bien qu'il doit y en avoir une. Moi, je n'ai pas de certitude, mais j'ai quand même bien vu qu'on n'est pas tous pareils. Quand je suis sortie, j'ai quand même eu le temps de regarder celui qui sortait à la table d'à côté. Eh bien, je peux vous dire qu'à cet endroit-là, on n'a pas la même chose. L'autre bébé, il avait quelque chose, et moi, rien. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à toi, le docteur? Encore rien. J'attends, je devrais être renseignée d'ici peu. Mais moi, j'ai le pressentiment que ça a quelque chose à voir, ce quelque chose ou ce rien, avec ce que dit le docteur. Moi, je crois que ça vaut mieux qu'il décide lui-même, en son âme et conscience. Après tout, nous, on arrive, on ne sait rien du monde dans lequel on accoste. C'est lui le docteur qui nous fait débarquer. Il le connaît le monde, lui. Je crois que ça vaut mieux qu'il décide lui-même. Hé 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 ! On a quand même notre mot à dire dans cette histoire. Moi, j'ai pas envie d'être une fille. Tu as à peine les yeux ouverts, tu as déjà des convictions idiotes. Ça promet, hein ? Ouais, bah quand j'étais dedans, j'ai entendu des gens qui parlaient. Ça devait être à la télévision. J'ai pas tout compris, mais il paraît que les parents... tuer leur bébé si c'était une fille. Je crois que ça se passait en Chine. Après tout, on sait pas encore dans quel monde on vient de débarquer. Ça se trouve, on est déjà en Chine! Dis, tu pourrais pas regarder dans mes yeux et me dire si tu vois quelque chose? Eh bien, mais tu sais, j'y connais pas grand-chose en astronomie. Mais c'est pas de l'astronomie, ça! C'est de la médecine! Non, non, non. Quand mon père était en forme, avec ma mère, il disait
Quand je regarde dans tes yeux, je vois toutes les étoiles de l'univers s'allumer. Alors ça, si c'est pas de l'astronomie, je veux bien être changé en statue. Allez, je t'en prie, regarde dans mes yeux. Bon, déjà, ce que je peux te dire, c'est que chez toi, il n'y a pas d'étoiles. Mais moi, je voulais que tu vois des étoiles. Des étoiles de toutes les couleurs qui s'allument quand tu me regardes. Désolée, mais j'ai rien vu s'allumer. Mais vu ta réaction, t'es une bébé. Alors, on s'intéresse déjà au sexe? Ben, c'est normal, on veut savoir qui on est et d'abord, t'es qui, toi? Moi, je suis un bébé de la salle d'à côté, la salle bleue. Et puis, pourquoi tu nous appelles les genoux? Tous les bébés de la salle bleue ont déjà 5 jours d'ancienneté. Et vous, seulement 2 jours. Alors forcément, on est un peu plus au courant des choses de la vie. Et pour en revenir à vos interrogations, je vous signale que l'infirmière nous a déjà donné notre premier cours d'éducation sexuelle. Alors, autant vous dire tout de suite, vous avez tout faux. Moi, le docteur, il m'a bien regardé dans les yeux. Et il m'a dit que j'étais un garçon. Bon, les genoux, approchez-vous que je vous explique 2 ou 3 choses que vous devez savoir. Faut vous dire que lorsqu'on sort, on a soit un sexe de garçon, soit un sexe de fille. Et ça, c'est pas le docteur qui le décide. Et si j'ai bien compris, ce sexe est placé dans les yeux, pas vrai? Tout faux, genoux. Non, il est placé entre vos 2 jambes. Et alors? Et alors, est-ce que l'infirmière expliquait à quoi on reconnaît ces différents sexes? Ouais, pas la même forme. L'un se voit et l'autre non. Moi j'ai quelque chose. Moi j'ai rien. Moi j'ai quelque chose. Moi j'ai rien. Et puis l'infirmière nous a dit que le plus important, c'est d'être garçon ou fille dans sa tête et que ça, c'est pas aussi simple. Parce qu'on a aussi un sexe dans la tête. Moi, j'y comprends plus rien. D'abord, c'est dans les yeux, ensuite entre les jambes et maintenant dans la tête. Franchement, quand je suis sortie, je me suis dit, bon, le plus dur est passé. Maintenant, ça va être cool. Avec les quelques informations que j'ai récoltées là-dedans, je vais pouvoir comprendre le monde. Mais ça commence à se compliquer sérieusement. Mais nous, on a voulu en savoir plus. On lui a demandé à quoi ça sert, ce truc-là, ce sexe. Et là, l'infirmière s'est fâchée. Elle nous a parlé très méchamment. Elle nous a trouvé trop curieux. Elle a dit qu'on apprendrait ça plus tard et que pour l'instant, on devait se contenter de pisser avec. Curieux, curieux, on débarque dans ce monde. Curieux, curieux, on débarque dans ce monde, on veut savoir, c'est tout. Et c'est pas avec des réponses aussi vagues qu'on va s'en sortir. Bon, faut que je retourne dans ma salle avant qu'on s'aperçoive de ma disparition. Salut les genoux! Et toi, t'es un bébé ou une bébé? Tout ce que je sais, c'est que je m'appelle Hugo et que ma mère m'a dit que j'étais un garçon. Et comment elle sait ça, ta mère? Ma mère, elle sait tout! Elle m'a même appris à lire.
Au début, elle me lisait des histoires. Puis, en 3 mois, avec son doigt, elle dessinait les lettres sur son ventre. En 6 mois, j'avais déjà lu tous les contes de Perrault. Mais des fois, ça me faisait un peu peur. Et maintenant, tu fais quoi avec ces livres? Je les relis, mais avec des vrais mots tout entiers. Et en plus, il y a des images. Pour l'instant, je suis dans l'histoire du petit poussé. C'est affreux la misère qu'il y avait dans le temps. Diego, tu pourras me raconter des histoires que tu lis? Bon, d'accord, mais je t'avertis, ça fait très très beaucoup peur. C'est le docteur qui l'a dit. Ben, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas, Léon? Remarquez, à moi non plus, ça me plaît pas. Mais il faut bien avoir un prénom. Non, c'est pas que tu t'appelles Léon qui m'étonne. C'est que moi, je savais pas qu'il fallait avoir un prénom. Et ça va te servir à quoi, ce prénom? Je sais pas exactement, mais ça doit bien servir à quelque chose, puisque le docteur il l'a écrit sur l'affiche. Moi, je crois que je sais. Mon grand frère, il s'appelle Jules. Et son prénom, ça sert à ce qu'on lui dise. Jules, va chaper! Jules, va faire tes devoirs! Jules, regarde où tu mets les pieds! Jules, mouche ton nez! Jules, enlève les doigts de ton nez! Jules, dis merci à la dame! Et si on lui dit pas Jules, 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 il sait pas qu'on lui parle, que c'est à lui qu'on parle. Alors... ça sert à ça, hein, prénom. Ouais, ben moi, dans ces conditions-là, je suis pas sûre d'en vouloir un prénom. Et si on n'en veut pas, hein? Si on dit non, tu peux pas refuser. Et si tes parents ont oublié, c'est le docteur qui va t'en donner un. Et si t'es pas content, il écrira sur les fiches. Bébé pas content de son prénom, à surveiller. Ah, non! Ce n'est pas parce qu'on est dans la misère qu'on doit abandonner ses enfants. Et en plus, les livres aux bêtes de forêt. Hé, hey, les bébés. Hé, hey, j'ai piqué les papiers de l'infirmière. Ben, d'où tu sors, toi? Décidément, on a de la visite ici. Je viens de la salle d'à côté. La Rose. Ben quoi? Y a pas que vous qui existez. Alors, nous voilà. On a posé des questions à l'infirmière et on s'est un peu énervé parce qu'elle voulait pas nous répondre. Alors elle a dit, c'est quoi ce bordel les bébés? Moi, j'ai trouvé que c'était une méchante façon de nous répondre. Alors pendant qu'elle avait les copains, je lui ai piqué ses papiers. Et c'est quoi ces papiers? Sûrement les papiers du docteur. Oulala, les papiers du docteur, on peut pas les garder ici. Mais si. L'infirmière ne se doutera pas qu'ils sont ici, puisqu'elle les cherche dans la salle d'à côté. Alors elle ira dire au docteur.
docteur est perdu vos papiers. Et le docteur, il dira, en colère, c'est quoi ce bordel d'infirmière? Et elle, elle sera toute penaude et ça lui fera les pieds. Non, non, Poussée, ne prends pas des miettes de pain. Les soixante vous les bouffez et tu ne retrouveras plus ton chemin. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces papiers? Il y a des prénoms et des numéros, mais je sais pas encore les lire. Attends, attends, nous avons un intello ici. Il s'appelle Hugo et il sait lire. Hugo, tu peux nous aider là? Il y a des prénoms et on sait pas les lire. Ah non! Tu me déranges juste au moment où le poussé entre dans la maison de l'ogre. Tiens, celui-là il est écrit en rouge. C'est qui le bébé 7? C'est moi, Léon! Exact. C'est écrit Léon. Pour moi, j'étais déjà au courant. Léon, comme mon grand-père. Je sens que ça va être une sacrée embrouille quand on va se présenter. Léon, mon fils, je te présente Léon, ton grand-père. Et moi, j'ai le numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Ah oui, t'es là. Tu t'appelles Ernestine. Ernestine, mais c'est un prénom de fille, ça. Ben oui. Et t'es pas content? Non, je suis un garçon. C'est le docteur qui l'a dit. Ben, c'est que tes parents se sont trompés. Ou bien, ils savaient même pas que tu étais un garçon. Ouh là là, je sens que ça va être compliqué. Ah non, pardon. Ernestine, c'est le nom de ta famille. Ton prénom à toi, c'est Ernest. Ernest, Ernestine. Ernest, Ernestine. Ah, bien joué. Bravo pour l'imagination. Bon, attention, s'il vous plaît, les bébés. Je suis votre infirmière. Vous êtes priés de regagner votre chambre, car c'est l'heure du bip. Ben alors, t'as pas faim, toi? Où il est, ton bib? Allez, on fait la paix. Tiens, si tu veux, on partage. Non, je peux pas! Quoi, tu peux pas? Tu peux pas ou tu veux pas? Je peux pas, je veux pas de ton biberon! Voilà que tu fais le dégoûté, maintenant.
Mais d'où tu sors? Toi? Je veux pas te taper, Bron. Je suis au régime. Quoi? T'as déjà attrapé une gastro? Mais non! Je suis au régime parce que j'ai trop pris. Je suis au-dessus de la normale. J'y comprends rien à ton histoire. T'as trop pris quoi? Et c'est quoi cette normale? J'ai trop pris de lait et maintenant je pèse trop lourd. Le docteur y a dit, attention à l'hérédité. Les parents pèsent 180 kg à eux deux. Ce bébé, il est trop goulu, faut le mettre au régime. Alors je n'ai plus que 2 bips par jour. Un le matin et un le soir. Et entre temps, j'ai la dalle! Pas possible. À peine né, il faut déjà qu'on soit dans la normale. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on est arrivé? La normale. La normale. Et peut-être, c'est qu'un début. Tu vas voir qu'un de ces quatre matins, ils vont même nous coller des étiquettes. Des étiquettes? Comment ça? Tiens, tu vois ce que tu m'as fait tout à l'heure? Quoi? Quand tu m'as tiré l'oreille. Eh ben, le docteur, il va dire, celui-là, il faut le surveiller. Et sur ton étiquette, il y aura marqué, bébé, pas dans la normale, agressif, futur délinquant. Ça m'étonnerait, je suis née avec. Et quand on est avec des envies comme ça, on les garde toute sa vie. Un jour, j'ai entendu ma mère le dire à mon père. J'étais pas encore sortie, mais elle disait, si tu veux que notre enfant soit heureux, gai et rieur, il faut que tu répondes à toutes mes envies. Et moi, j'ai bien ri quand j'ai su que mon père courait partout en plein hiver pour chercher des fraises ou des cerises. Écoute, je te propose un pacte. Un pacte, c'est quoi ça? Une alliance. On se met ensemble, en quelque sorte, pour la vie. Moi, je suis un peu plus vieux de quelques heures. J'ai déjà compris et entendu pas mal de choses de ce monde dans lequel on arrive. Alors, je t'explique ce que je comprends et toi, tu me prêtes de temps en temps ton envie de rire. Et peut-être qu'à nous deux, on arrivera à faire quelque chose. Dis donc, ce quelque chose, ça pourrait pas être du bonheur? Peut-être. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ce mot, mais je l'aime bien. Mais c'est quoi ça? T'es né comme ça ou t'as eu un accident de naissance? Bah non, je suis pas né comme ça. T'as déjà vu un bébé sortir avec un pif pareil?
Oh, moi, tu sais, j'ai pas encore vu grand-chose. Je suis sortie il y a 2 jours. Et alors, c'est quoi? Quand je suis sortie, tout le monde s'est esclaffé. Et le docteur, il a dit, celui-là, il a une vraie bille de clown. Et paf, il m'a collé ça sur le nez. Et il a dit, toi, tu t'appelleras Pipo. Et tout le monde s'est encore plus marré. Et moi, j'avais envie de pleurer. C'est bien connu, Pipo. Les clowns, ça fait rire les autres, mais ça pleure à l'intérieur. Voilà mon destin, scellé pour la vie entière. Moi, je voulais simplement sourire pour leur montrer que j'étais content d'être là. Un sourire pour entrer en sympathie, en quelque sorte. Et paf, pour la vie. Écoute, c'est plutôt sympa si les gens rigolent en te voyant. Et puis, ça les détendra. Ils seront pleins de reconnaissance à ton égard. Peut-être, mais tu imagines ma vie? Je me promène, je regarde, je parle, et tout le monde se marre. Et moi, si j'ai pas envie de ce destin-là? Ce qui veut dire que tu ne pourras plus communiquer avec les autres. Communiquer? Ça veut dire quoi, ce truc-là? Et d'abord, t'as quel âge, toi, pour savoir tout ça? Quelques jours à peine, Juno. Mais j'ai beaucoup appris quand j'étais dedans. J'avais toujours l'oreille à l'affût, les sens en alerte. Et ce que je vois maintenant ne fait que confirmer ce que j'avais déjà pressenti. Quand on ne peut plus communiquer, c'est comme une déchirure entre les gens. Des paroles pour ne rien dire. Pour faire simple, je n'ose des fois, les humains n'arrivent pas à communiquer. Toi, tu te sens jaune à l'intérieur, les autres te voient rouge. Si tu te sens noir, les autres te voient vert, ou bleu, ou je ne sais pas. Bref, les autres ne te voient jamais comme tu es. Et ça ne peut plus communiquer. Voilà tout. C'est pas grave, on s'habituera à tous ces arcs-en-ciel. Moi, jamais. Je veux retourner d'où je viens et refaire mon entrée. Ne plus sourire quand j'arrive. Faire comme tous les autres. Brailler, comme le fait n'importe quel bébé. Impossible, mon bébé. T'es lancé, t'es en route. Faut poursuivre. Une rivière ne retourne jamais à sa source. Non, 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 non. Arrête de crier comme ça. Sinon, l'infirmière va venir et elle va dire « C'est quoi ce bordel, les bébés ?» Et nous, on n'osera plus rien dire. Si c'est ça que tu veux... Aïe, aïe, aïe. Je n'aime pas ce moment-là. Quand il arrive et qu'il gueule. Sans la chair fraîche. Allez, faut pas te frapper, je te prête mon bide, il est encore chaud. Pas question que je mange avant de retourner d'où je viens et refaire mon entrée. Mais c'est impossible, Pipo, c'est impossible. Ce n'est pas à toi de décider ce genre de choses. Tu es trop jeune pour ça. Ce sont tes parents et principalement ta mère qui doivent en juger. Si ta mère veut bien te reprendre un petit moment, c'est à elle de le dire. Je me croyais. Je suis heureux d'être...
silence. Un immense malentendu. Un faux départ. Disqualifier le bébé. Tous les quarts d'heure, elle vient me voir et elle me demande si je vais bien, si j'ai besoin de rien, si j'ai pas froid, si j'ai pas chaud. Elle fait pas ça, ma sœur. Ma sœur, elle la laisse tranquille. Elle. Comment ça, ta sœur? T'as une sœur ici? Ben oui, parce qu'on est jumeaux. Enfin, jumelles. Oh, je sais plus comment on dit. Ma sœur, elle s'appelle Ève. Adam et Ève. Il paraît qu'on est les premiers à s'appeler comme ça. Hé hey, Adam, bienvenue dans notre paradis. Sois tranquille, ici, il n'y a pas de serpent ni de pommier. Pas de serpent, pas de pommier. Pourquoi tu me dis ça? Oh, pour rien. C'est une vieille histoire que ma mère racontait à mes petits frères. Et vu que tu ne pèses que 2,8 kg, sois tranquille, tu ne seras jamais chassé d'ici. Le docteur, il a dit à l'infirmière, « Ève a tout pris, il n'est presque rien resté pour cette pauvre petite crevette. » Forcément, ma sœur n'arrêtait pas de manger. Et moi, il ne me restait que les miettes. De manger? Mais on ne mange pas avec sa bouche. Ça, je sais bien, quand je dis « manger », c'est une façon de parler. Je devrais plutôt dire « nourri ». Au fait, qu'est-ce que ça veut dire « dizigote » ? Je sais pas, moi. Ça veut peut-être dire que t'es un drôle de zigoto. Au fait, comment l'a fait ta mère pour vous porter? Elle devait être énorme! Ma mère, elle savait pas. Comment ça, elle savait pas? Elle savait pas qu'il y en avait deux de zigoto. Elle croyait qu'il y en avait qu'un! C'est au moment où le docteur a dit: allez, madame, il y en a un deuxième! Alors, ma mère, elle a dit: mais je savais pas! On me l'a jamais dit! J'étais venue pour un, mais pas pour deux! Alors, le docteur, il a dit « Allez, madame, encore un peu de courage, le deuxième est beaucoup moins gros. » Et moi, comme ma sœur avait ouvert la voie, j'ai fait une super glissade et hop, bonjour la crevette. Eh bien, Adam, on peut vraiment se dire que t'as vécu de drôles d'aventures. Y a pas à dire, t'es vraiment un drôle de zigoto. Comment tu t'appelles?
t'a dit à toi, le docteur? T'es un bébé ou une bébé? Est-ce que le docteur, il t'a regardé dans les yeux? Est-ce que tu as vu tes parents? Toi? T'es muet? Moi, je crois qu'il ne sait pas encore parler. C'est normal. Quand on est, on n'a pas forcément quelque chose à raconter. Moi, je te dis qu'on doit s'entraîner à parler le plus vite possible. Moi, je pense que ces neurones de la parole ne doivent pas être totalement réveillés. Il faut un peu de temps. Votre attention, s'il vous plaît, les bébés. Je suis votre infirmière. J'informe le bébé 17, Gaëtan, qui s'est trompé de salle d'accueil et que ses parents l'attendent dans la salle 3 et non pas dans la salle 4. Je répète, le bébé 17, Gaëtan, doit se rendre dans la salle 3 pour y rencontrer ses parents. Merci. Allons vite voir la tête qu'il voit. Votre attention, s'il vous plaît, les bébés. Je suis votre docteur. Un nouveau bébé va arriver parmi vous. Il vient de sortir de sa couveuse. Je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil et surtout pour ne pas le fatiguer, car il a besoin encore de beaucoup dormir. Je vous remercie. La majeure partie de notre temps à dormir. Le sommeil, ça permet de nous finir. C'est le docteur qui l'a dit. Parce que t'es pas fini, toi? Pourtant, il me semble bien que tu as tout ce qu'il te faut pour embrasser le monde et courir vers ton futur. C'est pas parce qu'on a des yeux, des oreilles, des bras, des jambes que ça suffit. Faut encore que tout ça soit en ordre de marche. Ça demande encore un peu de temps et de sommeil. C'est le docteur qui l'a dit. Ouais, j'ai bien tout ce qu'il faut. Mais j'ai pas le droit de m'en servir. Parce que je suis prima. C'est le docteur qui l'a dit. Prima? Ça veut dire quoi? Ça veut dire prématuré. Je suis sortie trop tôt. Un mois avant le délai légal. Ah, c'est ta mère qui voulait pas? Oh non, ma mère, elle voulait bien, c'est moi qui en avais marre. Depuis que j'ai appris que j'allais naître, j'étais impatient. Alors, j'ai forcé un peu les choses. Résultat, mes paramètres ne sont pas totalement configurés. Alors, il faut que j'attende. C'est le docteur qui l'a dit. Ouais, dans la vie, faut pas stresser. Moi, j'ai attendu le temps qu'il fallait. Je serais même... Restez encore un peu. Ben quoi? Tu te fais porter, tu te fais nourrir et t'attrapes pas la grippe. Alors je me suis dit, profite-en jusqu'au bout, puisque pour le futur, on manque d'infos. Alors,
Je me suis repliée sur mon présent. Un jour, le docteur a dit à ma mère, pour la faire sortir, sinon elle sera trop finie et ça lui causera des soucis. Alors, ils m'ont fait sortir de force. Et je peux vous dire, c'était pour la vie. Moi, je fermais des quatre fers et eux, ils tiraient dans l'autre sens. On a beau dire, hein, quand on est, on a pu être traumatisé pour la vie. Non, non, il va quand même pas couper les têtes des petites ogresses. C'est affreux. En fait, tes parents, tu les as vus? Non, ils m'ont pas été encore présentés. Juste eu le temps d'apercevoir ma mère en passant. Même qu'elle avait pas l'air d'être contente. Et qu'elle disait que c'était pas de sa faute et que j'arrêtais pas de bouger. Et patati, et patata, et patati, et patata. Alors, ils m'ont tout de suite mis en couveuse avec interdiction de sortir. Et ton père? Mon père n'était pas là. Chauffeur routier. Paris. Comme il ne devait pas s'attendre à ce que je force les barrages et que j'arrive avec un peu d'avance, il n'a pas dû savoir. Mais là, franchement, je suis pas pressée. Il faut surtout que je me concentre sur mes neurones. C'est le docteur qui l'a dit. Bon, faut que je dorme. J'ai pas le droit de parler plus de 10 minutes par jour. C'est le docteur qui l'a dit. T'as raison, voisin. Quand on dort, on rêve. Et les rêves, ça fortifie les neurones. Il faut les pratiquer. Et à l'usage, parfois, on se rend compte que tout n'est pas aussi rose. Quand j'aurai 4 ou 5 ans, j'en suis sûre, je me marierai avec elle. Et même qu'elle aussi, elle voudra. Il paraît qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, elle est déjà mariée avec ton père. Tout faux, mon bébé. Ils ne sont pas mariés. Et ça, c'est ma chance. Et tu crois que ton père sera d'accord pour ça? Mon père? Mais d'ici là, il sera mort et enterré! Votre attention, s'il vous plaît, les bébés. Je suis votre infirmière. J'informe le bébé 17 Gaëtan qui s'est trompé de salle d'accueil et que ses parents l'attendent dans la salle 3 et non pas dans la salle 4. Je répète, le bébé 17 Gaëtan doit se rendre dans la salle 3 pour y rencontrer ses parents. Merci. Comment brillent mes rêves des bébés! Eh bien, la voilà ta chance! Si celle que tu as vue n'est pas ta mère, tu pourras toujours l'épouser un jour! Et voilà comment brillent mes rêves des bébés! Et voilà comment brillent mes rêves des bébés! Oui, oui, allez, vite, sauvez-vous, vite, avant que l'heure vous
Mais on ne t'a jamais vu, toi. Bien sûr que vous ne m'avez jamais vu, puisque je suis sortie il y a 2 jours. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Quand on sort d'ici, c'est pour la vie. Celle nous attend ailleurs. Ouais, mais la vie ailleurs, pour moi, c'est l'enfer. Alors, je reviens. Et même, je porte plainte contre cette famille où je suis arrivée. C'est même pas une famille, c'est un zoo. Ça alors, une famille zoo, ça doit pas arriver souvent, hein. Pensez un peu, 8 enfants en train de courir, hurler et se battre. Et les parents, devant la télé. Comment voulez-vous que je me finisse, moi? Ce matin, mon frère de 5 ans m'a sauté dessus, m'a presque écrasé la tête, alors que j'avais bien expliqué que ma fontanelle n'était pas encore fermée. Je crois que t'as raison de revenir ici. Mais le risque, c'est que le docteur, il soit pas d'accord. Mais si, le docteur, il va comprendre. Il ira voir tes parents et il leur dira. Alors, vous voulez ce bébé, oui ou non? Et là, est-ce que vous êtes capable de le protéger? Et là, tes parents, ils seront bien attrapés. Et ils seront obligés de dire la vérité. Et si la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne sont pas capables, eh bien, le docteur, il dira. Alors, je vais le donner à d'autres qui le veulent. Combien vous en voulez? Et voilà, une facture et c'est tout. Ouais, ça, c'est une bonne solution. Mais c'est une chance pour toi. Vas-y, fonce, ne te laisse pas faire. Le bonheur, ça se fabrique. Ça vient pas tout seul. De foot à la télé, alors là c'était pas de la musique. À chaque but, ça gueulait et moi je vibrais de partout. Pas spécialement agréable. Vous, vous avez de la chance. Au moins, vous, vous avez pu entendre quelque chose. Quelque chose qui vous renseignait sur ce qui se passait dehors, sur l'état du monde. Moi, que des gargouilles. Entre le monde et moi, un barrage.
l'orage symphonique de Garby, en permanence branchée sur l'état digestif de ma mère. Au début, ça m'amusait. J'essayais de distinguer les différentes tonalités. Il y en avait des aigus, des graves, des courts, des longues. Et puis, on a vite fait le tour. Je me suis lassée. Je crois même que j'ai fini par me boucher les oreilles. Il n'y a que la nuit que je l'ai débouché quand ça se calme. Moi, quand tu es sortie un peu plus tôt, j'ai pas entendu la fin. Mais t'es là, toi? C'est l'infirmière qui t'a autorisé à bouger? Non, c'est moi tout seul, bébé Mario, moi tout seul, j'ai décidé que j'étais prêt. Mais t'es sûr que tu vas pas te déglinguer en chemin? Absolument certain, même s'il va l'écrire sur mon étiquette. Bébé impatient doit être freiné, je m'en fous! Au fait, c'est la fin de quoi que t'as pas entendu? La fin d'une histoire que ma mère racontait à ma sœur. Je ne saurai jamais si le loup a fini par la manger. Qui ça? La grand-mère, pardi! Je te rassure, Mario, il a bien fini par la bouffer, la grand-mère! Je répète la question légèrement plus fort. Qui c'est qui veut jouer avec moi? Qui c'est qui veut jouer avec moi? Hé! Arrête de crier comme ça! Moi, je dois absolument dormir dans le calme et la sérénité! C'est le docteur qui l'a dit! Oui, mais le docteur, il a dit aussi qu'il faut que les bébés jouent. C'est indispensable pour leur développement intellectuel. Alors, tout premier que tu es, je ferais bien de t'y mettre aussi. Ouais, ben on pourrait jouer à chat? Non! Ou au loup? Non! Ou à saute-mouton? Non! Écoutez, on a déjà bien du mal à apprendre à être des humains. Alors, si en plus, il faut qu'on apprenne à être des animaux, là, je crains que ce soit aussi de nos forces. Et surtout qu'on finisse par tout mélanger. Ouais. Moi, j'ai déjà du mal à m'y repérer dans cette avalanche d'infos. Avoir un prénom ou pas, être un garçon ou une fille, avoir des parents comme ci ou des parents comme ça. Alors, si en plus je dois faire le chat ou le loup, je vais finir par tout mélanger. Ouais. Bon, je crois qu'on sera tous d'accord pour ne pas multiplier nos difficultés en nous ajoutant des rôles d'animaux. Oh, la tête de bébé. Ah, avec tout.
Que c'est tout simplement ça, la vie.